Alors, c'est pourquoi la ville a formé un organisme à but lucratif pour voir à la bonne marque de tous les événements qui marqueront cet anniversaire. Cet organisme va être ouvert à tous pour, dans le sens d'avoir des recommandations, des choses qui peuvent être pour l'accompagner cette fête, dans le but d'en faire une fête éclatante. Madame Biscotte et tous les membres de son équipe qui l'ont municipalité, on sent un nouvel élan dans notre ville, ce qui me fait dire que la fierté porte maintenant son nom et son nom. Moi aussi, on a une idée de comment on veut les faire participer à nos choses. J'ai eu le bonheur, si vous la trouvez fine, j'ai eu le bonheur de faire partie du comité d'engagement lorsqu'elle a été rentrée ici à la ville de Louisville. Alors, j'en suis bien fière. Et les ringuettes, patrimoine Canada, mais on aimerait aussi avoir les idées des citoyens. On va faire un remue-ménage là-dedans et on pourra prendre une idée là-dessus. Qui est naturellement les citoyens, mais on veut aussi les informer. Alors, comme première chose, il y aura une ligne téléphonique tout de suite après la chose. La ligne est déjà en fonction.